Bah alors les gamins. Pétette. Recalé. Mais non, c'est en dessous. Recalé. Alors. Recalé. Eh ben on commence à avoir l'habitude hein. On s'en fout, allez, on va aller l'année à repasser, c'est super. Ouais, non, justement. On s'en fout. Allez, viens, j'en ai pas rien à battre. T'en as pas rien à battre? J'en ai pas rien à battre. Tu prends pour qui là? Pardon. Pardon. Ça m'arrive Bernadette. Alors. Un télo. Très bien. Oh, ma petite chérie, je te félicite. Tu auras un énorme cadeau. Un beau cadeau. Oh, je te félicite. Pendant que tout le monde reprend ses esprits, un petit reportage sur la poule. La poule, ou gallus en latin, appartient à la famille des gallinacées. C'est un tétrapode, tout comme l'homme, bipède, comme l'homme également. Mais il ne possède pas un encéphale développé et encore moins un pouce préhenseur. Vous avez été recalé ? Pour la cinquième fois. Bon, écoutez, je veux bien être gentil avec vous. Si vous voulez, je vous aide pendant un an à avoir votre bac. Mais alors, plus de Nintendo, plus de PlayStation, plus de basket Nick, plus rien. Plus de télévision, plus de Koh-Lanta, plus de... Une émission, une seule. Bon, j'accepte une seule. Merci, on accepte. Voilà. Allez. Je vous donnerai des cours de mathématiques. Mais plus de PlayStation. Plus de PlayStation. Ni de Nintendo. Ni de Nintendo. Et alors là, les basket-niques. Alors, mais comment on va faire? C'est la honte. Je vous prêterai mes livres, c'est beaucoup plus divertissant. Si vous voulez, j'ai une idée. On pourra faire un relooking. Je vous prêterai mes anciens habits et ceux... de Marie-Bernadette. Non mais alors, nous aussi on a nos conditions, ok? C'est clair. On accepte de venir chez vous, mais alors grand-père aussi. Ouais, vous nous relookez, mais alors nous aussi on vous relook. D'accord? D'accord. Parce que votre style, ça va bien de ce monde là. Mais... assez modéré, hein. Je oui, mais pour nous, pas pareil. Trop d'extravagance. Marché conclu. Marché conclu. Vous avez fait une balle. Ah! Mais elle est forte, ce grand-père! Grand-père! Et donc les fondatrices vont
Alors bonjour madame, comment s'appelez-vous? Bonjour, moi je m'appelle Kenza. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kenza? Oh, moi je suis bricoleuse. D'accord. Et quel âge t'as? Moi j'ai 20 ans, je viens du 9-2-92. Yo. Ok, et pourquoi t'es ici? Bah parce que j'ai envie d'éclater des couples, yo. Ok, très bonne idée. Nous voyons son objectif de la tentation. Yo. D'accord, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Bridget. Et que faites-vous dans la vie, Bridget? Je suis encore étudiante. Et quel âge avez-vous? J'ai 19 ans, mais je ne sais pas vraiment... D'accord. Voilà. Et que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous là? Alors, j'aimerais passer un petit message. Alors, les filles, accrochez-vous parce que c'est moi qui vais les accrocher après. D'accord. Attention, attention les filles. Là, j'aurais peur à votre place. Oh, le trio va être à zéro. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Judith. Quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. Et que faites-vous dans la vie? Je suis présentatrice télé, vous voyez, par exemple, dans les émissions, je mets les points, je fais les choses comme ça. Ah oui, d'accord, vous avez le rôle de la potiche. Je ne qualifierai pas mon métier par ce nom, mais si vous le dites, peut-être. D'accord. Et pourquoi êtes-vous ici? Parce que je trouve que cette émission très culturelle est très intéressante et je voulais justement m'investir dans une nouvelle émission. D'accord, voilà. C'est très intéressant, voilà. Ce petit discours. On nous attaque à monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Franz, je viens de Belgique une fois et je travaille, je suis rugbyman professionnel. D'accord, d'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. Et pourquoi êtes-vous présent? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que je foute la merde au couple, tout simplement. Et j'aime bien cette émission car il y a de la baston. Voilà. D'accord. Voilà. C'est compréhensible. Merci. Si vous voulez, hein. Monsieur Margaret dans la bouche. Bride. Bride. Voilà, il s'est présenté tout seul. Quel âge avez-vous? Pourquoi refaites-vous vos sourcils? 26. vous fumez la marguerite? Non, c'est pour le style. Okay. Pourquoi êtes-vous ici? Pour choper. Pour choper, d'accord. Bon, bah, on pensait que c'était un petit romantique, mais ça ne l'est pas. On est pas. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all the looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity in my mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be light, I could be dark, I could be black, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? Just kick.